Bon, bienvenue à tous et bonjour. J'espère qu'on aura pas trop chaud. Voilà, je m'appelle Joseph, j'ai 30 ans, toutes mes dents, je suis converti depuis 15 ans à peu près, ici même à Paris-Monial. Et voilà, les organisateurs de la session ont eu l'idée saugrenue de me demander de vous faire donner un enseignement sur la Bible. Voilà. Alors, malheureusement, je ne suis pas exégète ni théologien. Simple chrétien baptisé, donc c'est encore mieux qu'exégète et théologien baptisé. Et puis, petit à petit, amoureux de la Bible, voilà. Du coup, je vais essayer en 3 fois 1 heure, à peu près, enfin en 3 jours, de vous donner envie de lire la Bible, ou de relire la Bible, ou de oser à nouveau ouvrir la Bible, ou de oser pour la première fois ouvrir la Bible, etc., etc. Je ne sais pas, on est un petit peu trop nombreux pour que je demande à chacun quel est son a priori de la Bible ou quel est son voilà, où est-ce qu'il en est dans la Bible. Mais je vais essayer de vous donner envie où vous en soyez, donner le goût de la Bible. Voilà. Tout simplement. Et puis aussi oser d'aller peut-être, voilà, chaque fois que vous irez, j'essaierai de vous donner envie d'aller plus loin où vous en soyez. Voilà, c'est un peu l'idée. Retenez l'idée que. On peut aller un peu plus loin toujours avec la Bible. Aujourd'hui, on va faire un truc sur plutôt qu'est-ce que la Bible. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de, voilà, tout simplement de donner des éléments sur autour de la Bible pour faire prendre conscience que qu'est-ce que c'est que ce livre un peu spécial, pour casser aussi quelques fausses idées qu'on a sur la Bible ou quelques voilà ou quelque chose, quelques erreurs, on va dire. Demain, je crois. Je crois que c'est demain. Demain, on prendra plus un temps sur pourquoi lire la Bible, à quoi ça sert, au final, quand même. Et puis samedi, je crois, on aura plus un troisième temps qui sera plus court, mais j'espère tout aussi sympathique, sur comment lire la Bible. Voilà. Là, il y aura un feu d'artifice de petites méthodes qu'il ne faut surtout pas appliquer comme des méthodes, sinon on désincarne le truc, mais voilà. Voilà. Et chaque fois, peut-être pas le troisième jour, on verra si on a le temps, mais chaque fois, je prendrai aussi un petit temps de questions-réponses, dans la mesure où je pourrai répondre, ou certains d'entre vous pourront aussi répondre à d'autres. Voilà. Donc, chaque fois en fin d'enseignement, un petit temps de questions-réponses. Sachez juste que nous avons la joie d'être aussi sur Internet. Bonjour, messieurs, dames d'Internet. Donc, si vos questions risquent d'être sur Internet. Voilà. Donc, besoin on peut être discret dans vos questions. Voilà. Si ça vous va, je vous propose qu'on se confie tous à l'Esprit-Saint pour qu'il puisse être bien présent et agissant au milieu de nous. Seigneur Esprit-Saint, je me confie à toi dans ce temps d'enseignement. Que je puisse être ton serviteur, rejoindre mes frères et sœurs, pour que tu puisses parler à travers voilà, tout ce que j'ai pu découvrir à travers mon Église, pour que je puisse leur transmettre bien la puissance de la parole de Dieu. Seigneur Esprit Saint, je te confie toutes les personnes présentes ici, ou bien qui regardent cet enseignement sur Emmanuel Play. Voilà. Ouvre le cœur de chacun de nous, ouvre notre intelligence, pour que nous puissions recevoir cette puissance de vie qui est dans la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible? Voilà, ça va être un peu plus, pas de la culture G, mais presque. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Bible? La Bible, quelque part, c'est le livre. Voilà. Après, je vais détruire cette idée. On verra. Pendant des décennies, les hommes et les femmes se la sont transmises à l'oral, puis en rouleau. Voilà, je parle de tous les enfants d'Israël. Voilà, dans cette transmission à l'oral, peut-être qu'on peut avoir un a priori. Bon, ils sont transmis à l'oral, ça fait peut-être un peu le téléphone arabe, donc combien d'erreurs, combien de vérités? En fait, non. Voilà. Nos ancêtres n'ont pas les mêmes ancêtres. Allô? Oui, c'est bon.
nos ancêtres avaient une culture de l'oral beaucoup, beaucoup plus forte que la nôtre. Nous avons beaucoup une culture de l'écrit. Et on se rend compte à travers différentes études d'historiens que la transmission à l'oral c'est plutôt bien passé en fait. On peut peut-être comparer ça à certains moments de notre histoire où la transmission à l'oral a pris le dessus sur la transmission écrite. Je pense à certaines périodes récentes comme sous le VSS, voilà, où en fait la Bible étant interdite, les grand-mères russes et compagnie se sont transmis des passages entiers de la Bible, voilà, la parabole du fils prodigue, elles l'ont transmise, elles l'ont apprise par cœur. C'est assez sidérant. Voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est possible d'apprendre des textes par cœur et puis de les transmettre sans trop grande différence, quoi. Donc, c'est pas une transmission à l'oral complètement, c'est pas une passoire, quoi, vous voyez. Il y a évidemment des trous, mais pas que. Et puis, il y avait ce goût de l'oral, voilà, on se transmettait les choses régulièrement à l'oral. Et donc, il est normal un peu de recevoir aussi l'Évangile, l'Ancien Testament, tout ça, à l'oral. Parce qu'on a tous les jours, tous les dimanches à la messe. Cette lecture, cette proclamation de la parole, voilà, est fait pour être dite. Alors, je suis libraire, donc j'adore les livres, mais quand même, la Bible est faite pour être proclamée, transmise, dite. Voilà, on y reviendra aussi dans les comment lire la Bible, mais il y a cette oralité qui est très intéressante, qu'on a peut-être un peu perdue, mais voilà, parce qu'on est passé d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit. Notamment, pour ce qui concerne la Bible, avec les moines du Moyen-Âge. Là aussi, c'est assez sidérant de voir comment les moines du Moyen-Âge ont copié et recopié la Bible avec, en fait, une belle fidélité. Il y a très, très peu d'erreurs de copie, de coquilles, etc. Si on prend des parchemins à droite à gauche, on se rend compte qu'il y a quand même une fidélité qui est assez sidérante. La Bible, évidemment, c'est le 1454, c'est le premier document à avoir fait les frais d'une nouvelle invention qui est l'imprimerie. Entre-temps, elle a fait un peu son chemin, parce qu'on estime qu'il y a 5 milliards d'exemplaires qui ont été diffusés à travers le monde. Nos amis les protestants continuent de la traduire dans toutes les langues possibles. Aujourd'hui, on estime qu'elle est traduite, tout ou partie, en 2000 langues. Il y en a à peu près encore 800 qui ne sont pas, qui n'ont pas 800 dialectes, langues, etc., qui n'ont pas les évangiles. Les protestants essayent de la traduire pour qu'elle puisse rejoindre toute culture. C'est aussi le texte de l'Antiquité, dont on a le plus de traces. Alors, aucune comparaison avec, par exemple, la guerre des Gaules de César. Il n'y a vraiment aucune comparaison. On est de l'ordre de, je ne sais plus, fois 100 le nombre de copies, etc., etc. C'est aussi l'œuvre la plus traduite en tableau, en statue, au cinéma, à la télé, au manga, en tout ce que vous voulez. C'est tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose avec cette Bible qui est quand même assez interpellant. Et puis, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent à lire la Bible. Voilà, qui se disent, mais comment je peux rentrer dans ce texte un peu abscon, un peu étranger, un peu décourageant. Beaucoup ne savent pas comment, par quel bout s'y prendre, quoi. Est-ce que je prends le début, la fin, le milieu, le trois quarts milieu, je ne sais pas comment faire, est-ce que je prends à l'envers, ça ira mieux. Bref, d'autres en ont peur, d'autres ont une certaine fascination. Dans la vie, il faut lire la Bible et le livre rouge de notes et tout. D'accord, pourquoi ? Voilà, enfin, bref, la Bible suscite beaucoup de réactions. Et en même temps, il y a des petites choses que j'ai essayé de vous donner là maintenant et qu'on peut essayer de recevoir pour que la Bible soit moins inquiétante, mais soit vraiment soit plus aisée. Voilà. Et du coup, qu'on puisse rentrer et plus mieux recevoir la parole de Dieu qu'au final, elle est.
Je vais commencer par quelques destructions. Donc, la Libre n'est pas un livre d'histoire, ni un manuel de SVT. Voilà. Quand on prend la Genèse, par exemple, qui ne connaît pas Adam et Ève, voilà, tout le monde connaît Adam et Ève, plus ou moins. C'est un récit mythique, mythologique, mais ce n'est pas un récit scientifique. Donc, la Genèse, comme beaucoup de livres dans la Bible, en fait, ne sait pas et ne veut pas répondre au comment. Comment l'homme est né sur Terre, comment la Terre même s'est formée, ça c'est la science. Voilà, la foi chrétienne compte sur la science pour répondre à ce genre de questions. Un jour ou l'autre, on avance, la science avance, et donc on a des réponses petit à petit. Mais la Bible répond au pourquoi. Pourquoi Adam et Ève? Pourquoi la Terre? Pourquoi l'homme existe? Pourquoi est-il le seul animal à penser, s'il est un animal? Pourquoi? Voilà. La Bible pose des questions et puis parfois donne des réponses sur le pourquoi. Concrètement, l'homme existe parce que Dieu l'aime, par exemple. Alors, peut-être que ça peut un peu surprendre de se dire, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait de cette fameuse opposition entre la science et la foi, qui sont des sœurs fâchées, inséparables, etc. Non. Voilà, je pense qu'en chercheur de vérité que nous sommes, il est bon de se dire que, ça, c'est des préjugés raccourcis ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ce que proclame l'Église, c'est pas sur quoi je crois, moi. Voilà, ce que proclame l'Église, c'est que science et foi se complètent. Voilà, ça peut balayer pas mal de choses sur la lecture de la Bible. Science et foi se complètent. En fait, c'est bon que l'homme cherche à comprendre comment l'homme est arrivé sur Terre et pourquoi l'homme est sur Terre. Voilà. Donc, on peut le faire avec notre tête, notre cœur. Et puis, quelque part, moi j'aime bien dire ça quand même. La science peut aider l'homme, c'est sûr. Elle nous aide tous à comprendre où l'on vit. Mais la science ne peut pas aimer l'homme. Dieu, oui. Dieu peut aimer l'homme. Et la Bible montre comment Dieu aime l'homme, avec fidélité, notamment dans l'Ancien Testament, en envoyant son Fils dans le Nouveau Testament, etc. En aimant nos frères, dans l'évangile de Saint Paul, de Saint Pierre, voilà. Donc la Bible n'est pas un manuel d'SVT, ni d'histoire, même s'il y a des livres d'histoire, on y reviendra. Mais c'est bien une lettre d'amour entre Dieu et l'humanité. Et qui commence donc avec ce texte de la Genèse, mais il n'y a pas que. A priori à casser, la Bible n'est pas un catalogue d'interdits. Voilà, c'est pas un code de la route, je sais pas quoi. Ça, je vais vous raconter une blague. C'est un brave pasteur qui, en plus de ce métier, avait une habitude peu commune, heureusement, qui était d'être pilleur de train. Ça se passe au temps de Lucky Luke et compagnie. Et donc, un jour, son fils va voir ce pasteur. Son fils est assez interrogé, intrigué par ce père et pasteur, le pilleur de train, je trouve ça un peu surprenant, etc. Et donc, il va lui poser la question. Père, est-ce que c'est être en accord avec la foi que de piller des trains le lundi et prêcher la bonne nouvelle le dimanche? Voilà. Et le pasteur lui répond, mon fils, montre-moi dans la Bible où il est écrit qu'on ne peut pas dérailler des trains le lundi pour voler. Bon, ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Ce n'est pas un catalogue d'interdits. Même s'il y a des règles, des codes civils même dans la Bible, mais ce n'est pas un catalogue qu'il faudrait respecter de manière littérale. Quelque part, celui qui prend la Bible comme un livre de recettes, il est assuré d'avoir des mots de foi. Alors, pas un catalogue d'interdits. On y reviendra de manière plus positive. Que faire des lois? Et puis, la Bible n'est pas un livre. Voilà. Allez, j'ai commencé par ça, mais après j'ai détruit cette idée. La Bible, voilà, n'est pas un livre. N'est pas un seul livre. En fait, la Bible, quand on dit la Bible, quelque part, on fait une petite erreur, c'est pas très grave. Mais on devrait dire les livres. En tout cas, en grec, c'est ça. Puisque, en fait, c'est une bibliothèque. Voilà. Il y a 72 livres, en tout cas pour les catholiques,
70 pour d'autres, 67 pour d'autres, bref. Il y a plusieurs livres. Une bibliothèque composée d'une multitude de livres qu'on range en différentes catégories. Parce qu'ils ont des styles littéraires différents, ils ont une importance pour Israël différente, ils ont une importance pour les catholiques, pour l'Ancien Testament, pour les chrétiens, pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament qui est différente. Voilà, donc il y a des petites différences. Je voudrais juste vous donner une composition de la bibliothèque, qui est la Bible. Au début, on a le Pentateuque. Ça, il y a 5 livres dedans. Le Pentateuque, il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, et puis le Deutéronome. Après, il y a des livres historiques. Enfin, après, c'est pas chronologique. Hein, mais voilà. Ensuite, on a aussi des livres historiques. Josué, les Juges, Samuel, les Rois, les Maccabées, les Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Tobie, Judith. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les livres historiques. Après, il y a des livres hagiographiques. Job, les Psaumes, les Proverbes, les Cantiques, Sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique. Ces mêmes livres aussi auront d'autres catégories plus tard, vous verrez. Et enfin, on a les prophètes. Les prophètes, il y a Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Johnny Hallyday, non pardon, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachi. Malachi, je sais jamais. Voilà. Ça, c'est une bibliothèque. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, de bien avoir conscience qu'en fait, dans la Bible, on peut avoir aussi bien un livre historique qui raconte quand même des faits sous plusieurs angles, parfois même. Hein, la même histoire racontée dans deux livres différents. Ben, ça, c'est normal, c'est comme les livres historiques. Un historien va voir un peu, va mettre le focus sur quelque chose de différent pour raconter la même histoire. Mais on a aussi des livres, par exemple, on a aussi des livres de prière, avec les psaumes, par exemple. Les psaumes, c'est vraiment le livre de prière de l'Ancien Testament. Voilà. Les psaumes qui sont faits pour être chantés. Je ne sais pas si vous chantez sous la douche, mais si vous voulez chanter des psaumes, allez-y. Quoi. De fait, ça peut marcher. Les psaumes qui sont aussi un cri du cœur venant des hommes d'origines diverses qui s'adressent à Dieu dans la joie comme dans la peine. Et en fait, la force des psaumes, c'est de lier 3 styles qui font écho à notre existence. L'existence, ben voilà, qui est traversée par le doute, la foi, la peur, le courage, etc. Et dans ces psaumes, donc il y a 3 styles. Il y a les hymnes qui nous invitent à louer Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, auteur de merveilles que nous sommes, etc., etc. Et il y a des supplications ou lamentations, voilà, supplications ou lamentations, qui appellent au contraire Dieu au secours. Voilà, ce sont des cris de SOS de là-bas, pour demander soit le salut du peuple, soit des délivrances personnelles, je ne sais pas, maladie, persécution, éloigne de nous des ennemis, etc. Et puis, enfin, troisième style des psaumes, mais toujours sous forme de prière, il y a les actions de grâce. Ça, les actions de grâce qui invitent, aujourd'hui, on dirait, qui invitent à un acte de gratitude, voilà, pour remercier Dieu. Et puis enfin, il y a des chants royaux qui sont un peu dans 2-3 endroits. Mais qui annoncent le Christ. Donc, ce n'est pas juste des chants royaux à l'ancienne, ils annoncent le Christ aussi. Voilà, c'est un livre de prière. En fait, on peut se dire que Jésus a sans doute, enfin, c'est même sûr, a prié les psaumes, a chanté les psaumes, il a peut-être même appris à lire avec les psaumes, je ne sais pas trop quelle partie de l'Ancien Testament, mais voilà, ça fait partie de l'habitude familiale, quoi. Moi, je trouve ça assez beau de dire on a les mêmes textes que ceux qu'avait Jésus. Voilà. Je ne marche pas en Israël, donc je ne peux pas marcher sur ses pas, mais je peux chanter, prier ces mêmes prières. C'est dingue. Il y a une connexion qui se fait 2000 ans après, c'est beau. C'est ce que fait Jésus sur la croix. Hein. On a une trace de ça. Jésus sur la croix prie un psaume. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le début d'un psaume, je n'ai plus le numéro. Qui ensuite termine en espérance vers Dieu. Donc les psaumes qui sont des livres de prière,
Autre style qu'il y a dans la Bible, des recueils de sagesse dont le peuple juif est assez friand, avec les proverbes, avec Siracide. Voilà, ça, ce sont des recueils de dictons, de sagesse populaire, voilà, soit qui viennent d'inconnus, soit qui viennent de personnes dont on a bien ciblé l'époque et le nom. Mais c'est une sagesse transmise de père en fils, on va dire, de père en fils spirituel. Voilà, qui donne à la fois des usages, dont aujourd'hui on se sert encore dans notre époque, hein, c'est ça qui est assez sidérant. Et puis parfois ça amène aussi à découvrir la sagesse personnifiée qu'est Dieu. Ce qui est fort avec ces proverbes, ces recueils de sagesse, c'est qu'en fait ils sont assez universels. Ça, je trouve ça assez sidérant. On peut donner en septembre, là, à la machine à café, si vous travaillez dans je sais pas quoi, vous pourrez donner une sagesse de temps en temps à quelqu'un, sans dire que ça vient de la Bible. En fait, ça fait réfléchir. Puis après, vous dites que ça vient de la Bible, comme ça. Ça permet d'évangéliser. Mais c'est assez universel, c'est assez dingue, ça. Et en même temps, certaines, notamment le livre qui s'appelle... peut-être plus les proverbes. Les proverbes, petit à petit, on comprend que ça amène en fait à la sagesse qui est Dieu, voilà, qui n'est pas juste un dicton populaire sympathique, mais qui amène à fréquenter la sagesse qui est Dieu. Mais par exemple, si vous lisez Siracide, eh bien, ça c'est un espèce de best-of concocté par Ben Sira. Ça peut aussi s'appeler Ben Sira, la traduction de la Bible. Et lui, à travers, il a repris des écritures, des traditions bibliques, etc. Et puis, il les a fait siennes, il les a expérimentées. Et puis ensuite, il en a fait un livre. Et puis à côté de ça, du coup, ça a tellement inspiré d'autres que d'autres hommes ont fait la même chose. Ils ont pris son nom pour s'inspirer de manière, une filiation spirituelle. Il y a son petit-fils, puis ensuite, il y en a d'autres, etc. Très bien. Et bien, ça, en fait, dans le Siracide, il y a quand même... ça mène à Dieu. Tous ces petits dictons amènent à Dieu. Que ce soit à travers l'humilité, la solidarité, l'amitié, la fidélité conjugale, etc., etc. En fait, ça amène petit à petit à Dieu. Donc, ça peut être des petites choses qu'on se prend au quotidien, sans que ça soit une loi rigide. On peut en faire un cadre qui nous fait, nous tourner vers les réalités d'en haut, qui nous fait choisir le bien pour les réalités d'en bas, qui nous fait grandir comme des tuteurs dans l'arbre. En fait, dans le Siracide notamment, ça peut nous aider à craindre Dieu. Alors, craindre Dieu, ça ne veut pas dire flipper devant un grand méchant Dieu, mais c'est une crainte d'amour, comme on craint de blesser quelqu'un qu'on aime, quoi. Bon, voilà. D'autres styles différents. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme style différent dans la Bible? Les prophètes. Alors, je vais commencer avec Isaïe, comme ça va permettre un peu de donner quelques pistes sur qu'est-ce qu'est un prophète. Un prophète, c'est un messager choisi par Dieu. En général, ça l'embête bien. Le prophète, pas Dieu. Il est appelé par Dieu pour être un lien entre Dieu et les hommes. Donc nous, on est tous prophètes. Alors, madame, vous êtes prophète. J'espère que vous êtes au courant. Ah, la caisse, magnifique. Voilà. Donc nous sommes tous prophètes ici. Si on est baptisé, on est tous prophètes de par notre baptême. C'est super, on sait. Merci Vatican II qui nous le rappelle. Mais parfois, on se dit, d'accord, mais ça veut dire quoi? Donc, on va prendre Isaïe, qui est quand même un peu the prophète. Il se distingue, c'est vrai que parmi tous ces prophètes de la Bible, il se distingue un peu, donc tant mieux. Il a de quoi se distinguer, parce qu'il a quand même 40 ans de carrière, il est apprécié du peuple, il a une poésie absolument magnifique, il a une postérité, parce qu'après il va y avoir des mecs qui vont prendre son nom pour continuer son œuvre, alors qu'il ne s'appelle pas du tout Isaïe, etc., etc. Bref, alors, Isaïe, c'est assez intéressant parce que... il va avoir des prophéties, on va dire, morales, voilà, de son mœurs,
Il va avoir des prophéties sur la politique. Et c'est vrai, le bon Dieu peut nous donner des prophéties sur les mœurs ou sur la politique. Je pense qu'il faut pas mal faire de portraits. Et puis quand même, Isaïe, c'est sur les messages religieux qu'il va marquer l'histoire. Puisque Isaïe va prophétiser que Dieu est le Saint, le Puissant, le Roi, etc. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il va quand même avoir des paroles fortes. Hein. Par exemple, que quand il pêche, l'homme se coupe de Dieu. Voilà, il n'est pas obligé de pécher. Quand il le fait, il se coupe de Dieu. Il peut revenir. Voilà. Et Isaïe insiste notamment sur la confiance en Dieu. Sur la confiance totale en Dieu. À chaque difficulté ou épreuve, Isaïe témoigne que l'homme peut s'appuyer sur Dieu pour avancer. Et puis Isaïe, c'est le prophète parce qu'en fait, il annonce le Messie. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant pour nous. Des lectures de prophètes, notamment Isaïe, mais pas que, Malachi aussi par exemple, peuvent nous aider dans notre vocation de prophète, qui est d'annoncer aussi le Christ. Voilà. De temps en temps, ça doit nous arriver de devoir, entre guillemets, annoncer, faire une annonce directe du Christ, charismatique. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour nous sauver des péchés, il te sauve du péché. Est-ce que tu veux le suivre? Voilà. Donc, ces prophètes peuvent nous aider à ça. En observant les prophètes, en voyant leur caractère, qui n'est pas forcément tout rose, ça peut nous aider à vivre notre vocation de prophète. Bref, alors, je regarde, c'est où ? Ah oui, donc Isaïe annonce le Messie. Il l'annonce comme l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et en ça, c'est un prophète assez important dans la foi chrétienne. Alors, ça. Je vais présenter d'autres petits prophètes, entre guillemets, c'est un peu bizarre de parler ça comme ça. Jérémie. Alors, Jérémie, peut-être que c'est le prophète intime, une espèce de chouchou de Dieu. Totalement saisi par Dieu, totalement cramé de Dieu, et vu sa mission, c'est bien. En 587, la Judée est envahie, Jérusalem, c'est important quand même pour les Juifs, c'est là où est le temple. Donc Jérusalem est prise en 587, et le temple est détruit. C'est pas juste comme si nous on détruisait la basilique Saint-Pierre. C'est dommage, enfin, l'église elle continuerait. Pour les Juifs, que le temple soit détruit, c'est quand même une autre affaire. Les notables du peuple sont déportés, enfin bref, c'est quand même assez la panique à dehors. Et Jérémie, eh bien, c'est le prophète qui avait averti le roi de Jérusalem, qui avait prêché la conversion. Donc c'est à la fois un prophète de malheur, alors que lui, il espérait que à la paix, à la tendresse, à la relation avec Dieu, etc. Mais il avance quand même pas mal de malheurs. Bref, il s'en est pris plein la tronche. Mais en même temps, il est quand même assez. Il reste attaché à Dieu, et la lecture de Jérémie nous donne cet attachement à Dieu, et il peut nous aider dans cette persévérance auquel je pense chacun de nous est appelé. Et en fait, ce qui est génial avec ce prophète, c'est qu'on a, entre guillemets, un journal intime. Donc après Bridget Jones, Jérémie. Mais je pense que c'est mieux. En fait, c'est un espèce de beau, oui. C'est un beau cadeau que de découvrir de l'intérieur les turpitudes d'un prophète. C'est-à-dire que parfois, on voit un saint qui a fait des choses extraordinaires, machin, etc. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. C'est vrai, d'ailleurs, seul, on n'y arrivera jamais. Et puis ensuite, quand on lit ses écrits, on dit « Waouh !» En fait, il y en a bavé. Le meilleur exemple, c'est peut-être Mère Teresa. Si vous lisez qu'on s'appelle « Bien soit ma lumière », ses écrits intimes à son père spirituel, plus elle a des nuits de foi, plus son œuvre grandit. L'auteur fait une espèce de parallèle. Donc, plus elle fonde de maisons dans le monde, plus elle a une terrible nuit de la foi. En fait, c'est extraordinaire, je trouve, de lire des choses comme ça. Ça permet de comprendre l'intérieur et de se dire que, se dire que c'est Dieu qui peut nous travailler. Et les saints ou les prophètes, comme Jérémie notamment, nous permettent de voir de l'intérieur comment Dieu travaille.
Donc, Jérémy, il y a quand même pas mal de turpitude, puis il parle cash, mon Dieu, donc c'est assez intéressant. Et en même temps, on voit comment de l'intérieur, enfin, on voit de l'intérieur comment, comment s'exprime sa foi, voilà, sa foi qu'il sait d'un ami de Dieu. Il se donne à fond, il témoigne, voilà. Et en même temps, à côté de ça, on voit que sa relation avec Dieu, elle est amicale, elle est même sentimentale à certains moments. Elle est vraiment incarnée et c'est assez, voilà, c'est assez touchant. Alors, est-ce que je peux parler d'autres prophètes ? Oui, j'ai le temps. Je voudrais juste vous parler de Osée, c'est un livre assez court, mais qui est quand même assez beau, puisque c'est le premier prophète à utiliser cette image du mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Je te fiancerai à moi dans la tendresse, etc. Voilà, Dieu étant comme un amoureux délaissé par sa bien-aimée Israël. Vous pouvez remplacer Israël pour votre prénom. C'est un peu la même chose. Ça, ce qui est beau aussi, c'est de voir comment cette femme infidèle qui est Israël, eh bien, l'époux, hashtag Dieu, va la rejeter pour mieux l'attirer à nouveau avec amour et passion. C'est toute cette séduction entre Dieu et Israël, entre Dieu, du coup, et nous-mêmes. Et ça, oser. Ose en parler, c'est assez beau. Bon, il y a un autre prophète qui va développer ça, je passe. Et puis après, il y a des petits prophètes, entre guillemets, donc Michée, Nahum, etc. Eux, c'est assez beau de voir simplement leur différence de caractère. Voilà. Tous les prophètes ne se ressemblent pas. Par exemple, Michée, on a l'impression que c'est un paysan du Massif central, quoi. Oui. C'est assez rude, concret. Il y a un bon sens du réel et du concret. C'est génial de voir ça, quoi. De dire bon. Et puis avec ce qu'il est, bah, il va aller dire au peuple toute l'hypocrisie qu'ils sont en train de vivre. Voilà. De s'attacher à ces prophètes, de dire bon, comment ils sont, qu'est-ce que je comprends de leur caractère, etc. C'est assez sympa. Voilà, alors, je reviens juste sur les livres, donc ça c'est pour les livres des prophètes, et puis je termine sur les livres historiques, comme les Maccabées par exemple. Alors eux, ce sont des espèces de mythes, voilà. Parfois aujourd'hui, on voit le mythe comme un truc, on voit c'est pas réel, etc., c'est pas scientifique, etc. Je comprends ce qu'il y a derrière, mais je crois qu'on peut un peu relativiser aussi, c'est-à-dire que le mythe, quand même, en fait, dit quelque chose. Peut-être que la date peut se planter de 1 ou 2 ans, etc. Mais le mythe est un récit littéraire qui dit quelque chose d'assez important. Peut-être qu'Alésia, on ne sait pas où c'est, mais ça dit quelque chose du caractère des Gaulois. Je prends l'exemple un peu idiot. Donc le mythe dit quelque chose. En tout cas, si on veut comprendre l'Ancien Testament et les Juifs, etc., il faut qu'on comprenne les mythes, parce qu'ils en sont pétris. C'est beau. Voilà. Autre type littéraire, et aussi des contes philosophiques dans la Bible, notamment Job, voilà, qui est un conte philosophique qui est sur la question de la souffrance, de la fidélité, de la persévérance, de l'injustice, tout ça. Voilà. Un conte philosophique, on n'a pas à lire comme une histoire vraie, même si on dit des choses vraies, mais comme un conte philosophique. Il y a aussi des contes tout simple, voilà. Par exemple, Tobie sur le mariage, c'est un magnifique conte. Enfin, c'est un protestant, eux l'ont pas. C'est un protestant qui m'a fait découvrir ça. Mais en fait, il a un livre absolument extraordinaire sur le mariage, etc. Tobie. Voilà, c'est un conte très beau là-dessus. Et là, que ce soit Job ou Tobie, de fait, l'indication chronologique est complètement décalée, complètement folklorique.
justement, ça nous permet de comprendre que, attention, c'est un roman, c'est pas du tout historique, etc. Donc, les auteurs ne s'attachent pas du tout à ça. Vous avez aussi un roman plein d'humour, un récit plein d'humour dans Jonas. Jonas, c'est une bonne idée de l'humour juif, où en gros, on grossit les traits. On grossit un peu le truc. Jésus fait aussi beaucoup d'humour juif. La poutre, l'œil, tout ça, c'est une espèce de on grossit le trait et ça les faisait rire. Il y a également un poème d'amour, voire érotique, dans Cantique des Cantiques. Il y a des codes civils, des recueils de lois, etc. etc. Donc ça, avec ça, on comprend qu'il y a plein de styles différents dans la Bible. Donc ce n'est pas un seul livre, ni une seule forme, ni tout vrai ou tout faux, etc. etc. Ça permet un peu d'affiner. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'est la Bible. Voilà, là, j'ai un peu détruit quelques petites erreurs sur ce qu'était la Bible. Maintenant, on va dire ce qu'elle est. La Bible est parole de Dieu et des hommes. Si vous écrivez, vous soulignez le « et ». Ça, c'est un classique dans la foi catholique. C'est pas « ou », c'est « et ». Voilà. Prêtres, ils sont hommes et prêtres. Oui ? Oui. Oui, j'y viens après. Ouais, je suis beaucoup sur l'Ancien Testament. Mais il y a et le Nouveau Testament aussi. Parole de Dieu et des hommes. Ouais, selon la foi catholique, cette foi se transmet par les apôtres et elle témoigne qu'ils proclament que la Bible est parole de Dieu et parole des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parole de Dieu, non pas au sens une espèce de commandement divin auquel il faudrait obéir sur le champ sous peine d'être foudroyé par un Dieu vengeur et terrible. Enfin, je ne sais pas si ce Dieu existe, mais ce n'est pas le mien. Par contre, elle est parole de Dieu, dans laquelle il nous révèle son amour, sa patience, son exigence, son pardon, son appel, un peu pressant à le suivre, son appel à obéir, à l'aimer, etc., etc. Parole des hommes, c'est là où ça va se compléter. Eh bien, parole des hommes, ce sont de vrais auteurs qui ont écrit la Bible, avec leur sensibilité, leur époque, leur inspiration, leur ouverture à leur transcendance qui change selon les époques quand même. Ce sont de vrais auteurs. Alors, il y a des rois, il y a des bergers, il y a des soldats, il y a des pêcheurs, il y a un médecin, Luc, il y a des vieux, des jeunes, il y a un peu de tout. Et en fait, il y a des auteurs connus et des auteurs inconnus. On ne connaît pas tous les auteurs de la Bible. Mais ils ont participé à écrire les livres de la Bible de manière inspirée. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés par Dieu pour écrire. Ils n'ont pas été dictés. Je vais revenir dessus. D'où le fait aussi que ça explique aussi ces styles différents. Certains, récits théologiques, prières, lettres, lois, voilà. Chacun a écrit aussi selon ce qu'il était et ce qu'il savait faire. Alors, en fait, la Bible, on peut prendre un mot pour relier ce « parole de Dieu » et « parole des hommes », on peut dire que la Bible est inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu qui s'y révèle. Alors, du coup, la Bible est parole de Dieu dans des paroles humaines. Voilà. Parole de Dieu dans des paroles humaines. La Bible est inspirée par Dieu à deux étapes. Lors de son écriture et lors de sa lecture. Et ça, c'est vachement intéressant pour éviter le fondamentalisme, le sectarisme, etc. L'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures est le même Esprit Saint qui inspire l'accueil et la mise en pratique. Et c'est le même Esprit Saint qui accueille la mise en pratique au 15e siècle ou au 21e siècle. Simplement, ce n'est pas les mêmes gens. Donc l'Esprit Saint inspire aussi un peu différemment, l'application de la mise en pratique de la Bible, l'Esprit Saint va s'adapter à l'époque, aux personnes. Donc,
que ce soit la différence de temps, de culture, de personnalité, eh bien, l'Esprit Saint s'adapte à partir de la même parole de Dieu pour qu'elle puisse agir en l'homme. Sauf qu'en fait, l'homme, on n'est pas tous pareils, donc on n'applique pas la chose de la même manière. Alors, pour le coup, on peut se dire, ah, d'accord, mais comment éviter des erreurs d'interprétation ou qui suis-je pour interpréter la Bible, etc. Pour ça, on a un cadeau, en tout cas, vraiment, dans l'Église catholique, on a un cadeau qui est le magistère, que sont les papes, les évêques, les prêtres. Ils sont donnés pour transmettre cette boussole dans l'interprétation et dans l'accueil de la parole de Dieu. Lire la Bible sans lire le magistère, c'est un peu, on y reviendra dans trois jours, mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Et lire la Bible avec des indications de pasteurs, d'évêques, de papes, etc., ça permet de ne pas se planter dans la lecture de la Bible. Alors, donc la Bible est inspirée par Dieu, et en ça, on se distingue du Coran. J'aurais pu dire ça aussi. La Bible n'est pas le Coran des chrétiens. Il n'y a pas de Coran des chrétiens puisque le Coran est dicté par Dieu. La Bible, en étant inspirée, n'a pas du tout le même caractère sacré. La Bible, il y a différentes traductions, on peut l'interpréter différemment, etc. Et c'est la foi chrétienne. Tandis que le Coran, il est un peu figé. Voilà, donc la Bible se diffère en cela vraiment du Coran, et pour nous, il faut qu'on y pense. On ne dit pas simplement, c'est le Coran des chrétiens. Non, c'est un peu un raccourci facile. Voilà. En fait, on n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole, de la relation, du coup, puisque la parole permet la relation entre Dieu et les hommes. Dieu, moi. La Bible raconte les tentatives, certaines échouées, certaines réussies, quand c'est échoué en rotant, voilà. Toutes les différentes tentatives et expériences de l'histoire d'Israël, puis des chrétiens, dans cette relation entre Dieu et les hommes. Et en ça, pas une religion du livre, mais une relation de la parole. Alors, et tout ça, j'arrive au Nouveau Testament. Tout ça nous donne un peu une introduction à l'Ancien, une introduction au Nouveau Testament. Tout ce que je viens de dire sur la Bible, sur que c'est inspiré, etc., c'est vrai aussi pour le Nouveau Testament comme pour l'Ancien. Mais il y a quelques spécificités sur le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament ? Il y a d'abord les quatre évangiles, en fait, mais il y a aussi des lettres de Paul, des lettres apostoliques, les premières encycliques du premier pape, les lettres de Pierre. Il y a les actes des apôtres, qui sont un peu on l'appelle l'évangile de l'Esprit-Saint, je reviendrai pourquoi. Et voilà, qui sont les actes des premiers chrétiens, donc les premiers apôtres. Il y a évidemment l'Apocalypse. Et puis des lettres d'autres apôtres, Jude, etc. Je voudrais revenir sur les quatre évangiles quand même, qui sont quand même des choses assez, des textes assez importants pour nous. Je ne reviens pas sur la date d'écriture parce que la fourchette est assez large, donc c'est normal. Simplement ils ont été écrits entre le 1er et le 2e siècle. Bon, très bien. Par contre, je reviens sur le fait que c'est un mixte. Voilà. Les évangiles sont à la fois un mixte de la tradition orale des Juifs, donc ils étaient habitués, donc ils ont vraiment transmis ça de manière fluide, parce qu'ils en avaient l'habitude, et l'arrivée de l'écrit de manière assez rapide quand même. Si Jésus est mort en 33, au plus ou moins, les premiers écrits arrivent dès les années 60, à peu près, selon les historiens, donc c'est ultra rapide.
ce mariage de la tradition orale et de l'écriture, eh bien, ça donne cette révélation qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et simplement pour vous dire qu'au début, il y a eu différents écrits un peu qui se sont répandus autour de la Méditerranée, là. Et puis à un moment donné, bah, l'Église s'est réunie pour se dire, bon, quels sont les livres dont on pense qu'ils racontent la vérité. Et ils ont choisi plusieurs livres. Ça donne la constitution du canon, des livres, ce qu'on appelle le livre canonique, bah, qui ont été choisis par le canon de l'Église. Ça, c'est avant la fin du IIe siècle. Tout ça pour dire que c'est vraiment des textes dont très rapidement l'Église, les premiers chrétiens, ont compris qu'il y avait une importance, voilà, ont donné une importance à la parole de Dieu, ont donné une importance aussi à l'unicité de la parole de Dieu, que ça soit un peu la même proclamée par, qu'on soit Paul, qu'on soit Pierre, à des centaines de kilomètres de différence, qu'on proclame la même parole de Dieu, le même Christ. Ça, c'est assez intéressant de pour nous aujourd'hui, de recevoir du coup cette Bible comme non pas une construction tardive, etc., mais très récente dans l'histoire de notre foi. Je voudrais juste donner un petit chiffre que j'aime bien, parce que je trouve que c'est intéressant. Platon, on a à peu près 200 textes de Platon, je crois, dont beaucoup viennent du Moyen-Âge. Tandis que pour les manuscrits du Nouveau Testament, il y en a plus de 5000. Donc ça vous donne un peu une idée de la fiabilité de ces textes, parce qu'après on compare, etc. Plus de 5000, dont je ne sais plus combien, mais beaucoup sont du 2e, 3e et 4e siècle. Donc on a vraiment la chance d'avoir un texte fiable, si on compare bêtement et historiquement à d'autres textes de cette période, ça n'a rien à voir. Ça c'est intéressant parce que je trouve que ça nous permet de lire la Bible aussi, avec notre intelligence, pas juste un peu pieux, mais aussi avec intelligence. Si vous voulez bien, je vais juste vous donner quelques petites billes, je ne sais pas comment dire, sur les quatre évangiles, voilà, sur chacun des quatre évangélistes, parce qu'ils ont des différences, donc je trouve que c'est intéressant. Le premier, c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est les discours de Jésus. Voilà. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, Matthieu, ou Lévi, qui écrit après la résurrection du Christ un évangile, très bien. Il retranscrit le témoignage, en fait, et la catéchèse de Jacques, l'un des 12 apôtres. Et puis, quelques siècles plus tard, un auteur traduit en grec l'évangile que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est la place faite aux paroles de Dieu. Donc, si vous voulez un évangile où on a la parole du Christ, Matthieu, les discours s'enchaînent les uns à la suite des autres. Et là, on y découvre un Jésus qui est un vrai maître, un maître spirituel. Simplement, il enseigne une sagesse un peu nouvelle, qui parle sans détour, on dirait aujourd'hui qu'il parle cash, qu'il est de manière assurée. Et puis, il prêche quand même jusqu'au point de dire que le ciel est la terre. Jusqu'au point de dire que le ciel et la terre passeront, mais que mes paroles ne passeront pas. Alors ça, c'est quand même assez gonflé de la part de ce nouveau maître Jésus. Dans Matthieu, les petits détails, les anecdotes, les faits et gestes de Jésus sont rapportés de manière ultra brève, comme ça, au passage, vite fait. Par contre, les paroles du Christ sont concentré autour de 5 grands discours, le sermon sur la montagne, les indications aux missionnaires, les paraboles du royaume, les conseils à la communauté et l'attente de la fin des temps. Voilà. Et Matthieu organise son évangile comme ça autour de 5 grands discours.
On change d'apôtre et on change complètement de style avec Marc. Là, c'est tout l'inverse. Ah non, mais voilà. Marc, son point fort, on va dire, c'est l'art du concret. Voilà, l'œuvre est vraiment concret. Alors, Marc, qui est-ce? C'est un compagnon de Pierre, de Saint-Pierre. Marc, il aime les détails pratico-pratiques, voire même un peu truculents. Voilà, c'est un Marc qui est un petit bonhomme qui s'échappe de manière dénudée. Et en fait, il conçoit son récit comme une introduction à la prise de parole d'un apôtre, d'un témoin. C'est-à-dire que vous avez Pierre qui est, je ne sais pas où, à Rome, et Marc se dit, avant que Pierre prenne la parole, je vais raconter des choses sur Jésus. Et ensuite, Pierre va dire, voilà ce qu'a dit Jésus, voilà qui était Jésus, etc. Et Marc fait une espèce de, c'est la première partie du conseil, voilà, entre guillemets. Et donc, il le construit comme ça. Donc, dans un premier temps, la vie de Jésus, et dans un second temps, le témoignage d'un disciple de Jésus qui a connu Jésus. Et donc, il peut parler de sa propre conversion et qui peut ensuite appeler à la conversion de l'auditoire. Voilà. Et du coup, Marc insiste sur tous les trucs un peu fous de Jésus. Sa force nouvelle, ses miracles, l'impact de son enseignement, pas tellement son enseignement, l'impact de son enseignement. Et puis aussi, Marc, du coup, insiste sur le rejet par la foule, dans un second temps, le rejet par la foule de l'enseignement de Jésus. Voilà. Et à la fin, ça termine par la crucifixion. Alors, on a un peu l'impression de se dire, ah, mais d'accord, super, on nous décrit une espèce de super-héros, machin, qui termine par « je crève sur une croix ». Échec total. Donc, c'est une espèce de très bon teasing, puisque c'est à ce moment-là que l'apôtre prend la parole et dit, ben voilà, le Christ dont Marc vient de nous raconter son histoire, il est ressuscité, il vit, et moi j'en suis témoin. Vous voyez un peu? Donc, Marc peut se lire comme ça, encore aujourd'hui, en fait, encore aujourd'hui. On lit l'évangile, on découvre Jésus, et ensuite, eh bien, le témoin entre en scène. Et si c'est nous qui sommes le témoin, eh bien, on peut aussi lire l'évangile de Marc comme ça et se dire, ok, et maintenant, toi, Jésus, qu'est-ce que je fais de toi dans ma vie? Alors, ça nous permet en fait de, ben, voilà, de que cet évangile qui est le plus court, hein, j'ai lu la vie du Christ, maintenant qu'est-ce que je fais? Je le suis, je l'imite, je le fuis, je ne sais pas, voilà, je vis de sa résurrection, etc. On change encore d'apôtre avec l'apôtre Luc. Alors, ça, Luc, c'est le Christ vrai homme. Il essaye d'appuyer là-dessus. Et en même temps, quoi de surprenant, puisque c'est un médecin, disciple de Paul, ami de Marie, vadrouilleur, voilà, c'est vraiment la grande vadrouille, Saint-Luc. Et ben, il écrit l'évangile le plus, à la fois le plus humain et puis le plus aventureux. Dans Luc, ça bouge pas mal. Il a eu les confidences de Marie. C'est ça qui est très intéressant avec Luc, c'est que du coup, il peut nous écrire l'évangile de l'enfance. Deux chapitres, mais dans lesquels ben voilà, on voit déjà sa fascination pour l'humanité de Dieu. Voilà. Une espèce de folie et de cœur de la foi chrétienne, hein, que Dieu s'est fait homme. Voilà. Un Dieu s'est fait homme, et il est là devant nous. Voilà. Et Luc revient sans arrêt dans son évangile sur cette humanité de Dieu, mais un Christ homme, d'accord, mais un Christ, un homme nouveau. Voilà. Il montre des choses, par exemple, dans la relation avec les femmes, il montre du doigt la nouveauté de l'humanité du Christ. Il prend, voilà, ça nous permet de voir que le Christ homme est un homme nouveau. Et puis après, Luc ayant lui-même tout quitté pour suivre le Christ, notamment avec saint Paul, eh bien, en fait, appuie sur cet aspect, on y va. Hein. Sur cet aspect d'aventure, de suivre le Christ, Luc est assez fort, quoi. Pour lui, la sécurité n'est pas impossible, mais elle n'est pas forcément enviée. Enfin, voilà, il y va, quoi. Voilà. Il nous appelle à être des désinstallés. Et enfin, on termine avec Jean. Petit Jeannot, ou l'évangile de l'amitié.
Ça, Jean, c'est par du fait même de son auteur, c'est un évangile à peu à part. Par exemple, en particulier, mais voilà. Jean, lui, nous offre un récit en profondeur de la vie de Jésus, plutôt de l'intérieur, on va dire. Comme Jérémie, journal intime, eh bien Jean choisit quelques épisodes ou quelques discours de la vie de Jésus. Il les développe, en fait, avec avec ce qu'il est, avec sa veine de disciple bien-aimé, de disciple fidèle et confiant à l'enseignement du maître. Voilà. Il se permet d'interpréter les paroles et les gestes de Jésus pour les communautés des premiers chrétiens. Et chez nous, les premiers chrétiens, hein, on n'est que les premiers. Donc, ça vaut aussi pour nous. Alors, Jean, il y a différentes... je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et puis Jean, notamment dans son grand discours, enfin, dans ses grands chapitres, Jean 15, Jean 16, Jean 17, etc., en fait, va annoncer quelque chose d'assez fort, va clarifier quelque chose, c'est que chaque homme est appelé à demeurer en Dieu, comme Dieu demeure en lui. Voilà. Ça, c'est voilà, vraiment l'évangile de l'amitié, l'évangile de la demeurance, ce mot n'existe pas, mais voilà, demeurer en Dieu, Dieu demeure en moi, etc. On voit vraiment que c'est l'ami qui parle et qui nous fait du coup découvrir le Christ comme ami. Voilà. Non plus seulement comme homme, non plus seulement comme guérisseur, non plus seulement comme grand philosophe, entre guillemets, mais comme ami. Et tout ça, en général, Jean amène du coup en fait à vivre cette effusion de l'Esprit Saint qui permet de vivre cette amitié avec le Christ. Alors, peut-être juste parler encore des actes des apôtres, puisqu'on parle d'Esprit Saint, voilà. Et puis ensuite, alors, les actes des apôtres, ou bien l'évangile du Saint-Esprit, disaient les pères d'Église, ou disaient, enfin, on va dire encore certains chrétiens, l'évangile du Saint-Esprit. En fait, après avoir posé les bases de l'Église pendant sa vie publique, Jésus a promis le don du Saint-Esprit, qui permettrait à ses disciples de continuer son œuvre. Voilà. Bon, pas bien. Sauf qu'en fait, il tient la promesse. C'est ce que nous disent les actes des apôtres. En fait, il a tenu sa promesse. Voilà. L'Esprit Saint a pris les commandes de l'Église naissante. Il y a un peuple qui s'est mis en marche. Il est poussé par la foi en Christ ressuscité. Il est guidé par le même Esprit. Si vous prenez les actes des apôtres avec, vous lisez ça d'une traite, c'est assez sidérant de se dire, mais le KGB à côté, c'est la même note. L'Esprit Saint, c'est tout, partout, il agit, il inspire au même moment, des gens différents, etc., etc. Il y a une tension, et bien l'Esprit Saint va permettre de trouver une solution de compromis, d'unité, etc., etc. C'est assez beau, et puis les mecs, ils font des kilomètres pour annoncer un Christ ressuscité, voilà, une espèce de, entre guillemets, une religion nouvelle. C'est assez beau, il y a du dynamisme dans les actes des apôtres. Et les actes, rapporte aussi tous ces faits et gestes. C'est un peu le carnet de bord des premiers chrétiens, quoi. Des miracles, des guérisons qui sont dans des proportions dignes de l'évangile. Pour l'évangile, je crois que c'est 30% du temps des miracles. Ça va nous interpeller. C'est vrai, en fait, les miracles et guérisons sont des signes bien du royaume. Dans les actes des apôtres, pareil, plein de miracles, plein de guérisons. Évidemment, ça côtoie aussi des réflexions. Des éléments de discernement, d'enseignement des premiers apôtres. Et alors, dans ces actes, comme parmi les premiers chrétiens, il y a deux colonnes de l'Église qui se détachent et où aussi on voit l'unité, qui est parfois challengée, comme aujourd'hui, l'unité entre ces deux colonnes, que sont Pierre et Paul. Donc il y a Pierre qui s'adresse surtout aux Juifs, et qui est garant de l'unité du Christ, de l'unité de l'Église, sur commandement du Christ. Et puis d'un côté, il y a Paul qui, lui, parle à la rencontre des païens. Et on voit leur relation entre eux. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu vivre dans la même caisse, mais ils ont pu vivre dans la même Église. Pour nous, ça peut nous dire des petites choses sympas. En tout cas, ces actes sont un récit que moi je trouve passionnant de la fondation du christianisme. Ce sont nos grands frères dans la foi,
Et on voit une espèce de... Ils se sont livrés à l'Esprit Saint et ça a un peu changé leur vie. Et nous, voilà, on en retire des perles, des petites choses, hein. C'est très bien, mais ça peut nous donner envie de, en découvrant plus les actes, ça peut nous donner envie, en fait, d'écrire nos actes. C'est Jean-Paul II qui, en l'an 2000, avait fait une évangélisation de son diocèse à Rome, avait fait une grande distribution du Nouveau Testament avec les actes des apôtres, etc. Sauf que c'était une édition un peu originale, c'est-à-dire qu'à la fin, il y avait un chapitre de page blanche avec écrit « Vos actes des apôtres ». Voilà. Voyez le message. Et donc, on donnait ça dans la rue, etc. Donc, les actes des apôtres, la lecture, peuvent nous permettre de dire, allez, quels sont mes actes, nos actes, en Église, toujours. Voilà. Alors, je vais passer à quelques temps de questions-réponses après, simplement peut-être pour conclure, etc. Vous l'avez compris, dans la Bible, ça crie, ça se bat, notamment dans l'Ancien Testament, ça pleure, ça se fait la guerre, ça se fait l'amour, ça s'en va et ça revient à Dieu. Et puis, en même temps, on voit que ça vit. C'est pas toujours mort. Il y a vraiment de l'action. Et c'est en même temps voilà, cette histoire de Dieu qui s'est accoutumé aux hommes, les hommes qui se sont accoutumés à Dieu, qui ont plus le temps... Voilà, Dieu qui reste fidèle alors que qui promet une alliance, les rois d'Israël font n'importe quoi, ils repromettent une alliance, le roi fait n'importe quoi, pas dedans, mais il reste fidèle. C'est une histoire longue aussi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas du. Voilà, il y a la patience de Dieu, on voit toute la patience de Dieu, toute la pédagogie, et en même temps, vraiment, son exigence, son cadre, les 10 commandements, ou même le 11e, aimez-vous les uns les autres, etc. On voit vraiment son exigence. Son allié, l'Esprit Saint, qui est nommé à partir de l'Évangile, notamment des Actes des Apôtres, mais aussi, qu'on voit aussi un peu dans l'Ancien Testament. Et puis en fait, quelque part, toutes ces écritures sont une espèce de correspondance entre Dieu et les hommes, et c'est une correspondance qui est une lettre, quelque part, une lettre d'amour. Voilà. Donc Dieu nous a écrit, nous pouvons lire son écrit. Voilà, je vous remercie de votre attention.